Ambiance des grands jours également pour les familles des militaires hébergées au camp Kokolo dans la commune de Lingwala qui s'approvisionnent sans encombre de cette denrée rare. Les policiers ne sont pas en reste. La cantine placée au camp Lufungula dans la commune de Lingwala ne connaît pas de rupture de stock. Des camions Kamaz sont mis à contribution pour les ravitaillements au grand bonheur des bénéficiaires, les familles des policiers. On est maman veuve. En tout cas, Tolingi et Lokoyo, Ekende Liboso, Ezonga Natimate, Ekende vraiment Liboso pour Yangonde Losunga ba policier, Batia ba policier, Nabana ba policier. La vision du chef de l'État, c'est de pérenniser cette action et le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik s'y attelle sans atermoiement. Pour le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik, commandant du service national, les cantines seront approvisionnées dès la deuxième moitié de l'année 2022 d'autres produits de première nécessité comme les Saint-Char, les poulets, l'huile de table et bien d'autres qui vont meubler ces cantines de militaires et policiers. Ce mercredi 23 mars 2022, le camp est envahi par les épouses, les enfants des policiers qui sont venus, chacun s'est procuré un sac de farine de maïs, une véritable aubaine. Ces femmes et ces hommes sont venus saluer l'initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous voyez, la cantine est en train d'être ravitaillée, approvisionnée en farine de maïs. Depuis le Kalufungula, Oscar Mbal, RTNC. Chers téléspectateurs, nous nous excusons pour ce désagrément. Nous disons que la route Mbujimayi-Nganda-Jika se trouve dans un état de délabrement très avancé. C'est surtout au niveau du tronçon Tikui, malgré l'exécution des travaux par l'entreprise Johnny Matata Company. Suivez ce reportage. Travaux de réhabilitation de la route Mbujimayi-Nganda-Jika dans son tronçon Tikui-Sitenga-Nganda-Jika, long des 45 km, sont mal faits. Ce constat est des députés nationaux. Robert Kanyikime Suchakatumba est élu de Nganda-Jika lors de ses vacances parlementaires à la base. Les travaux qui sont réalisés sont une œuvre pratiquement inutile. Ces travaux ne rencontrent pas les attentes des populations bénéficiaires. La société Johnny Matata Company, JMC, pour son compte à elle, c'est de déraciner inutilement les arbres le long de la route. Le reste, c'est zéro. Une route qui permet aux populations bénéficiaires d'arriver facilement à Mbujimayi et vice-versa. Mais maintenant, ce que nous vivons, c'est autre chose. La route est foutue. Qu'est-ce qui est à la base du bâclement de ces travaux? Le député national n'est pas allé par quatre chemins. Et les renseignements qui se recoupent, le directeur technique de la société qui a gagné le marché déclare avoir reçu seulement $17 000 contre
plus de 450 000 perçus. Robert Kanyiki lance un cri d'alarme et demande aux autorités compétentes de diligenter les enquêtes pour qu'on sache la destination des 450 000 dollars américains alloués à ces travaux. La Fondation Enabel apporte son soutien aux agriculteurs des deux provinces, Kasaï Oriental et Lomami. Ces derniers ont reçu des matériels agricoles, question d'accroître la production des produits agricoles. L'Agence belge de développement coordination provinciale du Kasaï Oriental et Lomami à travers Prodacor, programme de développement agricole, a procédé à la remise officielle et solennelle d'un lot important d'équipements d'appui aux activités agricoles aux agriculteurs de la province de Lomami, constitué des outils de travail agricole Pimpaneuf, des engraineuses, des engins roulants et des matériels de cantonnage manuel pour l'entretien des routes des dessertes agricoles. L'innovation, c'est l'appui aux agriculteurs de Lomami pour renforcer leur capacité à produire, à bien produire, à bien vendre et à gagner plus. Après la distribution de ces matériels aux agricultrices, une bénéficiaire, Sylvie Ndaye, parle ici de cette dotation à impact positif dans son travail. On remercie notre partenaire parce qu'on nous a accompagnés à partir des techniques, mais matérielles. Ça, on va aller plus loin. Le ministre provincial de l'agriculture de Lomami, Séraphin Kalombo, a salué cette remise des matériels avant de recommander aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Disons que les bénéficiaires ont souhaité l'impérieuse nécessité de bien garder ces matériels dont le coût global d'acquisition est d'environ 100 000 dollars américains. Et maintenant, allons-y faire un tour dans les quartiers Mouké et Mpassa, dans la commune de Lantélé. Cette partie de la capitale Kinshasa est menacée par les érosions et les têtes d'érosion qui naissent après chaque pluie. C'est le constat fait par notre confrère Estras Congo qui est descendu sur le lieu. Mouké et Mpassa sont coupés par des érosions au niveau de la route appelée Terre Jaune dans la commune de Lancelé. Selon les constats que nous avons fait sur place, la situation est très grave. Des parcelles et maisons construites ont été emportées et d'autres en passent de l'être. Après chaque pluie dans ce coin de la capitale, c'est la désolation totale. La mauvaise canalisation des eaux de pluie serait la cause principale. Elle est selon les habitants du quartier à la base de l'impraticabilité de certaines routes, si bien que les motos ne peuvent pas accéder au fond du quartier. Les habitants laissent frayer les passages au fond des érosions. Quant aux véhicules, n'en parlons pas. Ils se limitent qu'au niveau de l'asphalte. La population est contrainte de marcher à pied de l'arrêt de bus dénommé Terre Jaune jusqu'à leur domicile respectif, situé à une distance de plus ou moins 3 km. Pour la population de cette contrée, finir les travaux de construction de la route Terre Jaune est l'unique chemin du salut, en vue de limiter éventuellement les dégâts, tant matériels qu'humains, en prévision du mois pluvieux d'avril qui arrive il y a quelques jours. Par ailleurs, la population de cette partie de la capitale demande aux autorités de jeter les ponts sur cette petite rivière qui relie ces deux quartiers afin de permettre aux automobiles de passer tranquillement, mais aussi et surtout de rendre la route accessible à tout le monde. Rendons-nous de la province du Lualaba où il y a eu lancement des consultations nationales pour l'élaboration d'une feuille de route de la jeunesse. C'est le président de l'Assemblée provinciale, Louis Kamouni, qui a donné le go de ses travaux, Oscar Mbalkaï. Après Kinshasa, c'est le tour de la province du Lualaba d'accueillir les travaux des consultations nationales de la jeunesse congolaise. Le président du Conseil national de la jeunesse séjourne dans cette province pour lancer ses assises ayant pour objectif récolter les avis et considérations de la jeunesse afin d'élaborer un plan national à soumettre au chef de l'État pour approbation. Louis Kamouini, président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, en a lancé les activités en présence de l'ambassadeur William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse. Le rationnel pour cette jeunesse sur laquelle repose la confiance du chef de l'État, je ne cesse de lui rappeler dans ces différentes interventions que l'avenir de ce pays repose sur elle, c'est-à-dire la jeunesse. À travers un discours fédérateur, l'ambassadeur William Mukambila a demandé aux jeunes Lualabais de participer massivement à ces assises en présentant des problèmes aussi bien des solutions pouvant contribuer à l'élaboration d'un programme national de la jeunesse congolaise. Les conclusions de ces travaux feront l'objet de l'élaboration d'un programme national de la jeunesse congolaise qui sera la boussole des dirigeants dans la résolution des problèmes du pays
et particulièrement des jeunes Congolais. Car ceci est la volonté exprimée par le premier citoyen de la République, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, fort convaincu du dynamisme de notre jeunesse et de la contribution de ses travaux au processus de développement de notre pays, nous disons sans embâge, pas un pas sans la jeunesse. Après la province du Lualaba, d'autres provinces de la République attendent accueillir la délégation du Conseil national de la jeunesse que dirige William Mukambila. Leadership féminin, gage de la parité dans la lutte contre le réchauffement climatique en République démocratique du Congo. C'est de cette question qu'un atelier du réseau global des femmes leaders pour la paix en RDC a été lancé par la Fédération des femmes pour la paix mondiale, nous rapporte Suzy Ngoy. C'était une journée riche en échanges entre femmes. Des échanges qui ont porté sur le leadership féminin, gage de la parité dans la lutte contre le réchauffement climatique en RDC. Un accent a été mis sur la lutte contre l'insalubrité dans la ville-province Kinshasa. Organisée par la Fédération des femmes pour la paix mondiale, ses participantes, constituées des femmes avocates, magistrates, les officiers généraux et supérieurs de la police, ainsi que les femmes de différentes structures et établissements publics, se sont résolues de s'approprier la lutte contre le réchauffement climatique et la promotion de la salubrité à travers la RDC. Un autre moment fort de cette rencontre était la décoration des quelques femmes comme ambassadeurs de la paix. Être nommé comme ambassadeur pour la paix et lutter dans les sphères de violence sexuelle, c'est vraiment une grande responsabilité pour moi et je promets d'assumer parce que c'est ma lutte de tout le jour. Si vraiment les femmes prennent conscience de ce que nous avons appris aujourd'hui et que nous apprenons sur les autres chaque jour, ça sera une très bonne chose. J'encourage toutes les femmes qui ont participé pour la première fois. Et j'encourage aussi celles qui vont travailler avec nous. Ça sera quelque chose de bon. Si la femme se met debout, le monde se tient debout. La Fédération Femmes pour la paix mondiale s'est assignée comme objectif global l'éradication des violences sexuelles basées sur le genre et corriger les erreurs du passé afin de construire un monde de paix durable. On voit cette année encore, les activités liées au mois de la femme se poursuivent. Les mamans catholiques de la paroisse de Pandi dans la commune d'Ibonda, nous sommes là dans la province du Sud Kivu, ont été mobilisées, sensibilisées sur la protection de l'environnement par la Ligue des femmes de l'AFDCA. C'était en présence de l'honorable Béatrice Mpingia Mondanga et plusieurs cadres de ce parti. En communion avec les femmes démunies de la ville de Bukavu au Sud Kivu, la Ligue des femmes de l'AFDCA, sous la houlette de la présidente provinciale, Madame Dorothée Massirika, assistait en vivre et non vivre plus ou moins 150 femmes. Ce sont des mamans catholiques des 13 communautés ecclésiastiques vivantes CV de la paroisse catholique Guido Maria Conforti de Panzi. Ces femmes ont été sensibilisées par Madame Dorothée Massirika sur la protection de l'environnement et l'adhésion au sein de l'AFDCA, partie chère à l'honorable Tilukwebo, président du Sénat. Sans planture d'arbres, pour que les femmes puissent les planter, et nous pourrons faire le suivi, nous retournerons ici à Panzi 6 mois plus tard, pour voir si ces arbres ont été plantés, pour que nous aussi nous apportions un plus dans le développement de la province du Sud Kivu. Vous savez que l'AFDC, c'est un grand parti politique, c'est un parti de masse, et les femmes que vous avez vues ici, ce sont des femmes qui ne jurent qu'au nom du professeur Modeste Tilukwebo, le président du Sénat, et c'est lui notre autorité. Les femmes de l'AFDCA ont amené les vivres et non-vivres composés de sacs de riz, du sel, des savons et 95 pièces de pagne. En dehors de ces dons, deux femmes vulnérables ont bénéficié des aides, notamment l'une a reçu 20 tôles et l'autre a bénéficié d'un paiement des frais d'hospitalisation. La journée s'est clôturée autour de la table. C'était en présence de l'honorable Béatrice Kindia Mundanga et autres cadres du parti AFDC. L'activité entre dans le cadre de la clôture du mois de mars, commémoré mois international des droits de la femme. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central était avec le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Jean-Claude Vouemba et Simon Kimba Okiangani ont échangé sur les questions liées au développement du Congo central. La rencontre a eu lieu le week-end dernier à Nkamba. On en parle avec Iverson Kababa.
C'est dans l'après-midi du samedi dernier que le président de l'Assemblée provinciale du Congo central est arrivé à la cité sainte de Kamba, siège social et spirituel de l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Simon Kimbangu, dite église kimbanguiste. Jean-Claude Vouemba est venu auprès du chef spirituel Simon Kimbangu Nkiangani solliciter son soutien pour le développement de la province du Congo central. Outre le développement de la province, le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Vouemba, a évoqué les festivités du 6 avril qui est une affaire de tous, car c'est la date que le père fondateur de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu, a lancé le mouvement de l'éveil de la conscience de l'homme noir. C'est le 6 avril prochain que l'église kimbanguiste va clôturer les festivités du centenaire de sa fondation. À cette occasion, plusieurs activités sont prévues, notamment les conférences, débats, concerts musicaux et autres programmes pour la réussite de cette journée. Le chrétien et le Saint-Esprit, thème qui a réuni les fidèles de l'Église du Christ au Congo le dimanche 27 mars dernier. Une journée qui a été marquée par la clôture des travaux de la 59e session ordinaire du comité exécutif national de l'ECC. C'est le représentant légal de cette communauté, révérend André Bokundowa, qui a célébré ce culte spécial en la cathédrale du centenaire protestant. Serge Merlemata. C'est après 4 jours d'intenses travaux que la 59e session ordinaire du comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo s'est clôturée. C'est là, dans une ambiance conviviale et dynamique, des enfants de Dieu. L'objectif poursuivi était d'examiner la vie de l'Église du Christ au Congo et la situation sociopolitique du pays. Pendant la prédication, l'officier du jour s'est entre autres basé sur les textes de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc au chapitre 10, et suit l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 20, Mgr Lévis Ngangoura a mis un accent particulier sur la mission du Christ et ses prescriptions. Cela autour du sous-thème « Avec le Saint-Esprit, allons en mission du Christ ». Les membres du comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo ont fait une déclaration finale à l'issue de ce culte spécial. Recommandons aux présidents provinciaux de l'ECC de collaborer avec les autorités de leurs provinces respectives dans la réussite du programme des 145 territoires du gouvernement. Une photo des familles a immortalisé la clôture des travaux de la 59e session ordinaire du comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo. Le thème central de cette 59e session ordinaire du comité exécutif national de l'ECC était les chrétiens et le Saint-Esprit. Présidé par le président national et représentant légal de l'ECC, révérend Dr. André Gédéon Bokundowa Bolikabé, ces assises ont connu la participation active de plusieurs délégations venues de tous les coins du pays. La femme gestionnaire socio-économique par excellence de la communauté, c'est de cette question qu'une matinée a été organisée le 23 mars dernier par les femmes du mouvement citoyen Képi Blanc ne fait savoir Rodé Panda. La femme est une gestionnaire socio-économique par excellence dans la communauté et la femme doit savoir revendiquer ses droits aussi bien professionnels que socio-culturels en vue de se prévaloir de son autonomisation et contribuer dans la lutte contre le changement climatique. C'est en substance tout ce que les femmes et jeunes filles, membres du mouvement citoyen Képi Blanc, une structure de la société civile défenseur des droits de la femme, ont retenu à l'issue de la matinée d'échanges et de réflexions organisées le mercredi 23 mars dernier. Une façon de célébrer à leur manière la journée internationale du 8 mars dédiée aux droits de la femme. Avant les exposés de deux intervenantes du jour, la présidente du mouvement citoyen Képi Blanc, Bernadette Moudikaï Mwamba, a placé son mot d'accueil et d'encouragement. Le vrai sens plein de contenu de cette journée internationale dédiée aux droits de la femme est donc l'affirmation de soi par la femme en faisant preuve de compétence pour affirmer leur éthique nationale. Bonne fête de la mois de la femme. La première oratrice, Rose Kamoigna, présidente de l'ONG Carrefour des femmes et familles, s'est plus appesantie sur le droit des femmes, l'auto-prise en charge, la culture et la paix. Pour Monique Biakouchala Djoulou, responsable de différentes structures, secrétaire et représentante des droits des femmes
Au sein de la SADC, deuxième intervenante, la question de la parité avait déjà été réglée par Dieu en Genèse et que la femme tirée de l'homme devrait accompagner son semblable. L'autonomisation voudrait dire que la femme doit faire preuve de ses capacités et intelligences afin d'imposer son apport dans les concerts de l'humanité. Il faut éviter l'inversion des valeurs en plaçant Dieu en première position pour réussir dans une société égalitaire. L'objectif, c'est pouvoir sensibiliser la femme congolaise pour la prise de conscience dans leur nature qui est femme, pour savoir que la femme, c'est une gestionnaire par excellence. Elle est appelée à aller plus loin. L'ingéniosité et le savoir-faire de ces femmes ont produit quelques articles qu'elles ont exposés à l'appréciation et la consommation du public. Les hommes Jarret ont accompagné. La Fondation Angèle Poumbou en action et la fait don aux différents orphelinats de la capitale. Les détails avec Serge Merlemata. Dans un esprit de solidarité, qu'Angèle Poumbou, au cadre de l'IDPS, a effectué une visite de réconfort dans quelques orphelinats de la ville. Elle a été tour à tour à l'orphelinat Les Bons Samaritains, à Limete Kingabwa, ensuite à l'orphelinat EVV Eden, à Lemba Terminus et enfin à Kinsenso, plus précisément à l'orphelinat Aie pitié de moi, qu'elles sont dit apporter des vivres frais et secs aux pensionnaires de ces hospices pour enfants démunis. Bien avant cela, Angèle Poumbou avait procédé au lancement officiel des activités de la fondation portant son nom. C'était en présence du représentant du secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabuya, et de plusieurs membres du FOMAM, Fondation Maman Angèle Poumbou. À cette occasion, elle a appelé au soutien à la vision et aux actions du chef de l'État Félix Antoine Tshilombou pour la réussite de son mandat. Nous voulons tout d'abord développer l'homme pour développer les pays. Nous entendons tout d'abord renforcer la formation et puis renforcer aussi l'entrepreneuriat. Nous soutenons le chef de l'État parce que même le chef de l'État nous a dit qu'il va mettre l'homme au centre de tout. C'est ainsi que nous avons adhéré à cette vision et nous voulons être aussi un pilier qui va aider le chef de l'État. Plateforme des sensibilisations et des formations, d'après sa présidente Angèle Poumbou, la Fondation FOMAM met au centre l'homme en lui apportant de l'information et une aide pour le développement du pays. Et en sport, les léopards de la République démocratique du Congo sont bel et bien arrivés au Maroc déjà dès ce soir. Ils feront la reconnaissance du terrain à l'heure du match, soit à 20h30 au stade Mohamed V de Casablanca, avant d'être reçus demain mardi par les Lions d'Atlas du Maroc. Le 11 national de la RDC a été bien accueilli à leur arrivée, a dit le secrétaire général de la FECOFA, belge Sitouatala, et l'équipe nationale congolaise est logée à 100 km de Casablanca. Le lieu du match, il a dit au micro de nos envoyés spéciaux. Le gouvernement a tout mis en œuvre pour mettre tout le groupe dans de bonnes dispositions morales. L'équipe est logée en dehors du site où va se jouer le match. Pour des raisons strictement stratégiques, il va s'entraîner sur place. Et c'est demain qu'il va rejoindre Casablanca, parce qu'il y a certaines activités qui font que vont se faire sur place, qui nécessite la présence de l'équipe sur place, notamment la réunion technique va se tenir à 11h, ainsi que l'entraînement réglementaire de la veille du match va se jouer à l'heure du coup d'envoi de mardi. En tout cas, tout est prêt, le moral du groupe est en place, les joueurs sont déterminés, sur le plan administratif, tout est bon. Bon, nous avons un seul joueur dont la sanction a été confirmée, il s'agit d'Ngonda, qui a été expulsé suite à un second avertissement reçu au premier match. La FIFA nous a notifié, donc tout est prêt pour demain. La délégation a quitté Kinshasa par un vol spécial. Nous avons quitté à 20h et avons atteint Casablanca à 3h du matin. Le secrétaire Jean était là, Tariq Najem, il était là, et avec une forte délégation. Le président de la FECOFA a été très bien accueilli. Ils ont accordé les facilités, telles que les prévoient les règlements, pour les formalités d'arrivée. Il y avait un véhicule réglementaire qui était prévu, donc un bus pour les joueurs, ainsi qu'une voiture à bord de laquelle l'espace réservé l'avait pris bord. Et c'en est fini donc pour ce 13h30. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de temps sur la radio-télévision nationale congolaise. On se retrouve demain à la même heure.